Avant de lire la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de parler de sa généalogie bénie, je reviens simplement sur certains termes que j'ai mentionnés il y a quelques instants. J'ai parlé de mujtahidin et de muqallidin, en parlant des gens de la communauté aujourd'hui, quels sont leurs états. On peut globalement répartir la communauté mohammedienne en deux grands groupes. Il y a d'une part les savants et d'une part les non-savants, donc les personnes qui sont des ulama, des personnes qui ont atteint un certain degré de science et qui ont aussi un certain degré d'autonomie dans leur gestion du savoir, dans leur authentification du savoir, et ils ont globalement la capacité d'émettre des fatawas. À savoir, indépendamment, ils ont la possibilité de donner une fatwa. Qu'est-ce que l'on veut dire ici, une fatwa? Je vais vulgariser en disant que c'est-à-dire donner un jugement légal, un jugement islamique, à partir des textes anciens, par sa propre déduction. Ça, c'est une vulgarisation du mot fatwa. Ceci peut avoir d'autres sens, mais nous n'allons pas nous étaler à ce sujet ce soir. Donc, il y a les savants et les non-savants. Les savants, d'une part, ce sont donc ceux qui peuvent extraire des jugements à partir des textes anciens, donc des jugements à partir des textes anciens qui acceptent que l'on tire des jugements à partir de ces textes-là. Tous les textes, eh bien, ne sont pas forcément explicites. Certains acceptent que l'on extrait des jugements particuliers en fonction de la compréhension respective des savants, et certains n'acceptent pas cela parce qu'ils sont déjà évidents et explicites. Voilà, ça c'est juste une parenthèse. Ça c'est le clan, le groupe des savants. Alors, ulama, on peut donner plusieurs étiquettes à ce groupe-là, les savants. Alors, ulama, on peut aussi les appeler les mujtahidin. Donc, avant, j'utilisais ce mot-là. Mujtahidin, mujtahidun, ce sont ceux qui peuvent faire al-ijtihad, ceux qui peuvent faire un effort de déduction, donc faire cette extraction de jugement légal, donner une fatwa, un jugement, sur quelque chose qui n'existait pas avant. Et aujourd'hui, ça existe. Alors, les gens se posent la question, ils vont demander aux savants, quel est le jugement de telle chose? Ah, c'est ça, d'accord. Comment tu sais? Ah, parce que tu as vu ça à tel endroit. Mais même à ce niveau-là, il n'est pas une obligation de demander la preuve en ce qui concerne le fiqh. Mais voilà, nous fermons cette porte-là sur ce que c'est le mujtahid. C'est le savant qui a atteint ce degré-là, la capacité d'émettre des jugements de sa propre, à partir de sa compréhension des textes anciens. Quelqu'un qui va suivre la fatwa de ce savant, il va suivre évidemment, eh bien, la loi du prophète Mohammed à travers, eh bien, la compréhension de ce savant-là. Et ceci est légiféré ainsi. Allah nous a laissé la religion de cette manière-là, de sorte qu'une partie de la loi soit interprétable à la lumière de ce que nous a laissé en héritage le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous laissons de côté ce mot-là. Donc, ce sont les savants qui ont ce degré de science. Après, il peut y avoir moins que ceci comme degré de science, mais c'est ce que je voulais dire quand je disais savants et les non-savants. C'est une manière de catégoriser les individus dans la Ummah. Il y a les savants et il y a les non-savants. Les non-savants, on peut les catégoriser aussi en plusieurs sous-catégories, et je ne vais pas aller beaucoup en détail, c'est simplement pour nous rendre compte de ce que l'on veut dire et quelle était la situation de l'auteur à son époque et à plus forte raison aujourd'hui, quels sont nos états et quels sont nos besoins de nous abreuver de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les non-savants, eh bien, les personnes qui n'ont pas cette habilité à émettre par elles-mêmes des jugements légaux, à savoir extraire des jugements légaux à partir des textes anciens, donc les gens, on peut les appeler de la masse, les gens de la masse ou les gens de la généralité. D'accord? Al-Rawam, ce sont les gens de la masse, en arabe, Al-Rawam. Mais au sein de l'Rawam, il peut y avoir une sous-catégorie qui est un petit peu entre deux, à savoir entre les gens de la masse purement et au seuil de la porte du savant, bien de la personne qui va s'ouvrir à la science et s'enraciner dedans. Ce sont les toulab al-ilm, par exemple, les élèves de science. Mais quand on classifie en deux catégories, les savants et les non-savants, les toulab al-ilm, ils sont encore juste au stade avant d'être des savants. L'auteur, rahimahullah, dans son introduction, nous a donc parlé
du besoin extrême que les gens de la masse avaient déjà à son époque, eh bien, de s'enquérir de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi parlé de l'importance que revêt l'apprentissage et l'enseignement de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour les gouverneurs, al-hukkam, les gouverneurs donc, des pays, des gouvernements, des différentes instances régionales, que ce soit des gouverneurs territoriaux, que ce soit des gouverneurs à plus haute échelle. À son époque, c'était, bah, comme on le sait déjà, il y avait une sorte d'effervescence, agitation dans le monde musulman qui faisait que plusieurs instances et plusieurs régions du monde musulman, à l'époque, et c'était encore les Ottomans, d'accord, il y avait encore un calife, mais il y avait déjà certaines instances, certaines agitations qui préoccupaient la communauté. Les gouverneurs, eux, doivent s'imprégner de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car ils n'ont pas d'autre source de bien en ce qui concerne le comment agir avec les musulmans, avec les gens qui sont sous leur responsabilité. Les responsables et les gouverneurs, ils ont sous leur gouvernance et responsabilité des musulmans, des familles, parfois des entreprises, à savoir des entreprises au sein de leur territoire. En principe, ils sont censés obéir au calife. Ça, c'est des choses qui dépendent des circonstances. Eh bien, tous ces gouverneurs-là, ces responsables-là, ils sont censés s'inspirer de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la régence, eh bien, de ces territoires. Non. Nous allons sans plus attendre commencer la suite. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى النسب الشريف. La noble généalogie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.